L'idée, elle est toute simple, c'est d'emmener des jeunes du Kera dans leur montagne. Donc on a monté ce projet avec une association qui s'appelle la CCSQ, l'association culturelle, sociale, sportive du Kera. On est dans une découverte de leur environnement. Qui c'est qui est déjà venu à Villard-Boulin ? On avait envie de faire une traversée entre deux villages. Donc on est parti hier à midi. On a fait une petite exploration du village de Villard-Gaudin. On a découvert les fours. On a découvert le téléphérique qui est le câble à lait. On l'ouvrait par ici et on sortait le beurre à la louche. Villard-Gaudin, les Escoyères, avec la nuit au milieu, là au Quéron, la nuit à la Belle. Et on descendra à pied jusqu'au bord du Guil. C'est de pouvoir leur ouvrir les yeux sur des choses à côté desquelles ils passent parfois quotidiennement et sur lesquelles ils n'ont pas eu l'occasion, on va dire, de poser le regard. Elles jettent des petites gouttes d'acide formique et après ça sent le vinaigre. Tu fermes là où il y a les fleurs et paf, tu tapes fort. Oh, c'est très cool. Ce qui nous semblait important, c'était d'avoir la nuit en montagne. Dès que le jour tombe, dès qu'on allume le feu, dès qu'on installe le bivouac, on bascule en fait dans un autre monde. Et la nuit dehors, c'est quelque chose qui reste vraiment à portée de main. Parce qu'effectivement, quand la nuit arrive, on change de monde et on les accompagne en fait dans la découverte de ce nouveau monde. Alors on était en automne, les arbres étaient en train de perdre leurs feuilles. On a vécu des choses, je dirais, habituelles, avec la nuit qui descend, le feu qui s'allume, enfin tous ces instants un peu magiques, les étoiles, on a vu des étoiles filantes. Et alors nous, on a eu la chance de vivre une petite cerise sur le gâteau, on va dire. On a eu un renard qui était très familier, qui est venu tourner autour du camp et que les enfants ont vu de très près. Hein. On a allumé les lampes frontales, il était tout proche. Tout le monde a un tapis de sol. Et voilà, une place qui est bien. Là, tu peux voir les étoiles, on met la tête de ce côté. Déçu de pas avoir vu le loup. Toi, t'as vu le loup, toi? Ouais.